Bienvenue au Gabon, pays d'Afrique centrale où la richesse des traditions et l'essence spirituelle sont toujours vivantes et où les sociétés initiatiques fondées sur la dualité entre le monde des esprits et le monde des vivants perdurent. La colonisation et les religions importées ont combattu et diabolisé ces pratiques ancestrales, si bien que certains de ces savoirs et savoir-faire sont toutefois menacés. Notre équipe a eu l'occasion de rencontrer un groupe qui continue de préserver leur mode de vie et de pensée, la famille de Jean-Paul Mbumba. Elle a accepté de présenter hors contexte une tradition ancestrale de leur communauté, les Lombo. Les images que nous vous présentons ne prétendent en aucun cas être une représentation exhaustive de les Lombo tels qu'ils se pratiquent la nuit et dans le secret des initiés. À travers le regard que Jean-Paul et sa famille portent sur leur tradition, nous apprenons un peu plus sur ce que ces pratiques représentent dans la vie quotidienne d'une famille d'initiés. Je suis dans les Lombo depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Donc, au départ, c'était pour moi un amusement parce que je trouvais comme si j'allais en boîte de nuit. C'était un spectacle pour moi. Je voulais danser, je voulais m'amuser. Donc après, avec le temps, vu que mon mari était là-dedans, il guérissait les personnes là-dedans. Quand les gens sont en difficulté, il les aidait. Et je me suis intéressée et jusqu'à là, je me suis intégrée. Je pratique la danse et l'ombre. Pourquoi? Parce que j'avais des difficultés dans ma vie pour affronter. Donc, du coup, je me suis fait initier. Et en m'initiant, au sorti de là, j'ai pu faire un enfant. Donc, voici pourquoi je suis toujours dans les Lombo, parce que j'ai eu gain de chose de ça. Les Lombo, pour moi, c'est la vie, en fait. C'est toute une vie. C'est toute ma vie. Parce que, grâce à les Lombo, j'ai pu atteindre un niveau de stabilité que je ne me pensais pas atteindre, en fait. Ça fait 6 ans que je suis dans les Lombo. Pour moi, c'est comme... Bon, je peux dire c'est une religion, quoi. Donc, je ne peux pas me défaire facilement. Parce que je peux dire que je suis ancrée. Je suis née dedans, je mourrai dedans. Qu'est-ce qui m'amène dans les Lombo? J'étais malade. J'avais de la folie et j'avais une plaie inguérissable. C'est un Européen qui me dit, cette maladie, on ne trouve pas de solution. Il faut faire des demi-tours un peu chez vous. 6 mois de maladie, 3 jours de guérison, dans la tradition. Les Lombo se dessinent de cette manière. La première étape d'abord, les étapes de maquillage. Les chansons du Kaolé, ce sont des chansons de prière et de bénédiction. On finit cette étape, maintenant on part à commencer à donner la nouvelle aux esprits. Pourquoi la vie? Maintenant on rentre dans l'étape de dire bon, allez, on doit se préparer pour se déplacer, pour partir de là. Je suis ton gars, je vais.
nous dansons le plus souvent, c'est parce qu'il y a les initiations. Ou lorsqu'il y a des repas de deuil, ou des personnes qui sont malades, qu'on est en train de soigner. Ou en cas de veillée de résistance. Lorsque nous faisons, par exemple, les veillées de nouvelles ans, nous faisons un événement où, par exemple, un enfant qui vient de naître, on veut fêter la venue de cet enfant. L'Odyssée, il sert à faire la liaison entre le monde des vivants et le monde des esprits. C'est grâce à lui que les hommes, que nous sommes les êtres vivants, pouvons parler avec les esprits. Vous pouvez être tout de suite atteint de l'ombre. Vous pouvez soit attraper l'épilepsie, mais c'est un esprit de l'ombre qui est venu par exemple vous envoûter. Pour qu'il soit moi, il faudrait que je le rende malade. Pour qu'il soit ma connaissance, je dois le rendre malade. Comme ça, il vient vers moi, il verra qui je suis. Et l'ombre, c'est ça. L'esprit vient conseiller. Il demande au père spirituel d'appliquer ses conseils sur la personne. Et il demande au père initiateur, voilà comment il peut passer, voilà ce qu'il faut faire. S'il y a des soins à donner, voilà des bois qu'il faut prendre, par exemple en bourse, et voilà le feu qu'il faut utiliser pour cette personne. Lorsque elles ont mis les écoutes, c'est la grande étape, l'étape mais finale de la cérémonie. Ça veut dire qu'ils sont en transe, que les esprits sont les habitent maintenant. Quand il y a la veillée, il y a au moins une cinquantaine de filles qui sont là pour danser. Elles vont danser l'une après l'autre, l'une après l'autre. Ils font ça, c'est une rotation jusqu'au matin. Elle ne peut plus danser comme quelqu'un de normal parce qu'il est habité par un esprit. Donc cet esprit danse à sa manière. Souvent, ça ne se passe pas en journée. Jamais. En journée, on peut se mettre juste à chanter, esquisser le petit pas, c'est tout. Non, on ne le fait pas en journée, c'est toujours la nuit. Les cérémonies et l'ombre, celle que nous avons faite hier, c'était une cérémonie circonstancielle. C'était en quelque sorte pour vous montrer de manière brève comment est-ce que on fait certaines choses. Mon fini,
Les Lombos courent un gros risque de disparition parce que les nouvelles générations ne s'y intéressent pas et on les compte sur le bout des doigts au fait. Et de plus, même les églises, ils influencent plus le quotidien des jeunes en diabolisant ce que nous faisons et en ne disant pas exactement les bons côtés de la tradition. C'est le Bodène du monde, c'est le centre du monde, c'est le nombril du monde, et il faut le montrer. Quoi. J'ai commencé à faire le gym. J'étais à l'UNIF avec les copains, j'ai démarré comme ça. Je suis rentré chez les jeunes indépendants en 1981, donc qui était la deuxième année de la société, et depuis je fais le gym aux jeunes indépendants. Et j'espère le faire encore quelques années. J'ai 37 ans de participation au carnaval. J'ai fait mon premier carnaval en tant que Gilles, avec notamment mon papa. La première trace du carnaval de Binche date de 1394. C'est vraiment les premières traces écrites qu'on a retrouvées, comme quoi il y avait une mascarade à Binche. C'était la nuit des Caresmo, donc la nuit du carême, hein, enfin, donc le mardi gras actuellement. Et puis en 1397, on a retrouvé des textes où on demandait, le magistrat de la ville demandait à des gens d'aller chercher du vin à Beaumont parce qu'on avait tout bu à Binche. Les origines du Gilles ne sont pas bien connus. La seule chose qu'on sait, c'est que en 1795, le magistrat de la ville qui avait défendu que le carnaval ait lieu, et un certain François Gaillard a bravé l'interdiction et a été arrêté. Et dans les écrits de l'époque, il fait marquer que M. François Gaillard a été arrêté en habit de carnaval, appelé ici habit de Gilles. Voilà. Et la première photographie du Gilles en tant que tel date de 1875. C'était d'abord les paysans qui faisaient carnaval et que ce costume de Gilles a été approprié par la bourgeoisie et que c'est la bourgeoisie qui a transformé le costume et qui l'a enrichi. Plein de signes dans le costume prouvent que l'origine du Gilles est paysanne. Les sabots, la ceinture de sonnaille, la pertintaille, qui est en fait la ceinture de sonnaille qu'on mettait autour des bestiaux dans le temps, la paille évidemment, d'origine terrienne également, la toile bise du costume, tout ça, ce sont des origines paysannes. Le son du tambour, c'est un rythme agraire. Donc, voilà. Et après, petit à petit, les bourgeois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont accaparés la fête, et c'est eux qui ont commencé à mettre de la dentelle, à faire des chapeaux à plumes. Hein. Avant, les bourgeois mettaient même leurs bijoux sur la buse du chapeau. Et voilà. Et donc, ce costume a évolué comme ça. Quoi, hein. Avant les jours gras, vous promenez dans Binche, c'est une fourmilière. Hein. Vous voyez ces camions de brasseurs qui viennent remplir les cafés, les gens qui viennent mettre les grillages aux fenêtres. C'est vraiment, ça grouille, tout le monde va faire ses courses, ça grouille oui, dans tous les sens. Les gens vont chercher leur costume. Et le samedi soir, pouf. Dimanche, c'est un peu le jour où il n'y a pas de contraintes. C'est un peu, en général, il y en a qui terminent beaucoup plus tôt que prévu. Et donc c'est un peu, nos limites le dimanche. Le but, si possible, c'est de trouver un costume qui n'a jamais été fait. Bon, c'est pas toujours évident. Au sein de chaque société, en fait, il y a plusieurs cagnottes. Ce sont des groupes d'amis en fait qui se réunissent pour concevoir le costume du dimanche gras. En fait, on économise toute l'année pour pouvoir faire le Gilles. On rejoint une société parce qu'on on y a des amis et c'est, finalement, c'est ça, ou de la famille. Donc c'est quand même assez strict. Hein. Il faut
être né à Binche et y être domicilié depuis sa naissance, ou habiter Binche depuis 5 ans, ne pas avoir fait le GIL ailleurs, c'est une fois attendre 10 ans, enfin voilà, il faut... La première condition, c'est être belge, mais je crois que c'est plus le cœur qui compte. Le rôle de la femme dans le carnaval, il est... Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment évoluer dans les années qui viennent. Normalement, devant les tambours, il n'y a que les hommes qui jouent. Et si on a voulu, à un moment, une fois qu'on est dans les ruelles, où là, c'est un petit peu plus, on fait un peu ce qu'on veut, on a demandé à la batterie de se retourner pour qu'elle joue face aux suiveurs, aux femmes, pour qu'elles puissent en profiter aussi. En fait, jusqu'à présent, la place de la femme, c'est le rôle que les hommes ont bien voulu leur laisser. Et je pense qu'il est grand temps qu'elles prennent les choses en main et qu'elles choisissent ce qu'elles veulent faire exactement du carnaval. On est vraiment un carnaval de rue et notre rythme, c'est le tambour. Et là, on est parti au tambour avec le rythme jusqu'aux petites heures. C'est vraiment un partage. Hein. Un partage entre nous, où on est, quand on danse, on n'est pas tout seul, on a son voisin, on danse avec son voisin à la batterie. On va chercher le gars derrière, on ne sait pas qui c'est. C'est peut-être un ami, on ne sait rien, mais c'est le gars qui est derrière. Et il vient, et hop, on lui cède la place, il vient danser. On a le lundi. Pour se retaper, certaines sociétés, comme Patrick parlait des chic types, qui ressortent le lundi. Mais sinon, le lundi, c'est un petit peu un jour creux, on se retape. De nouveau, après le feu d'artifice, tout est fini, tout le monde rentre, pour commencer aux petites heures le mardi matin. Bon, il y a d'abord l'habillage, donc... D'abord le bourrage. Les premiers gils se bourrent à 3-4 heures du matin. En fait, on ne met pas de la paille qu'on met comme ça. Il faut que ça garde une forme. Donc, il y a vraiment toute une. Il faut ce qu'ils appellent des torquettes. Il faut un peu façonner des morceaux de paille. On vient mettre dans. Je crois que la tactique, c'est d'en mettre un horizontal. Et puis, on en met 3 verticaux. Ça, c'est de chaque côté. On en remet un petit. Enfin, il faut voir un petit peu comment ça se met au niveau des épaules. Ça, c'est le bourrage même. Et puis, le reste, donc, c'est l'habillage. À ce moment-là, il faut venir terminer le gil. Donc, mettre les. La collerette, l'ensemble de tous les autres accessoires. Moi, ma femme, elle met la collerette, elle met la barrette, elle met le mouchoir de cou. C'est une étape où on aime bien recevoir des amis ou des connaissances ou des gens qui n'ont jamais vu ça et qui demandent pour venir voir l'habillage du gil. Donc c'est aussi un moment généralement qu'on fait avec son épouse, avec ses enfants, avec la famille. Donc c'est un moment important, dans le commencement du Mardi Gras. Quand le gil est prêt, on ouvre une bouteille. Et puis là, on attend, on pestelle, comme on attend qu'on vienne nous chercher. Le principe de base, c'est que le gil ne se promène pas sans tambour. Il y a un premier qui part avec son tambour et qui va chercher tous les autres gils de sa tournée. Donc en général, il y a 6-7 maisons. Matinale, normalement une fois que le soleil se lève, ça s'arrête. C'est tous les petits groupes qui partent d'un petit peu partout de la ville et qui se réunissent. Et ça bosse aussi un rythme qui, le bruit des autres vous met aussi dans le rythme. On passe d'un pas à l'autre qui est sur le changement de saison, frapper sur le sol pour chasser l'hiver. C'est un bourgeois du 19e, hein, avec la petite moustache fine, les lunettes de verre de couleur en plus. Enfin, tout le monde est elle-même, et ça, c'est vraiment une valeur qui est vraiment aussi très importante dans le gil et dans notre symbolique. C'est vraiment, et ce masque est vraiment le point d'orgue, justement, de cet anonymat et de cette égalité. Première échéance, c'est d'arriver à l'hôtel de ville. En arrivant sur la place, chaque société
sommet en rondeau avant de rentrer à l'hôtel de ville. Et alors ça, c'est toujours un petit peu la fierté de chaque société, de montrer un petit peu son nom, sa puissance. Et là, c'est vraiment le... Parce que là, tout le monde est là. Tout le monde est en costume tip-top, c'est le matin, c'est impeccable. Et on fait vraiment le rondeau le plus grand possible. Et ça, c'est un moment qui est quand même assez... En tant que président, quand on voyait sa société qui fait ça, d'ailleurs rien qu'en parlant, j'ai encore un petit peu de frissons. C'est vraiment un tout beau moment. Reçu par le bourgmestre qui nous fait un petit mot d'accueil. Il y a des médailles pour les 25 ans, 40 ans, 50 ans, 60. Quel plaisir d'accueillir les jeunes indépendants avec le soleil sur les façades de l'hôtel de ville. Cher président, toi qui as mené cette société des jeunes indépendants pendant des années, entouré d'un excellent comité, je tiens à saluer l'action qui a été la tienne. Après avoir mangé, on se retrouve au cortège avec la même chose, le petit groupe, reprennent les gens en sens inverse. Tout le monde se retrouve au départ du cortège, ici, près de la statue du paysan à Batigny. Et là, c'est le cortège l'après-midi où on lance les oranges, qui est l'offrande qu'on offre aux touristes. On démarre vers 15h et là, donc, on part donc, du bout de la ville, de l'entrée de la ville, jusqu'à la Grande Place. Et les sociétés sont les unes derrière les autres. À partir de ce moment-là, on danse en musique. Donc l'orchestre de 18 musiciens, à peu près une petite vingtaine de musiciens, se met devant la batterie et on danse au son des musiques. Puis on se retrouve à la fin de ce cortège, quand toutes les sociétés arrivent sur la Grande Place, qu'elles font un rondeau tout autour de la Grande Place. À la fin, ça se termine, les rondeaux se terminent toujours par l'air du petit jeune homme de Binge. Et puis ça s'arrête. Tout le monde va de nouveau, chaque société va un petit peu se restaurer. Et puis on est reparti pour le cortège du soir. Plus gai, c'est terminé jusqu'aux petites heures. Il faut être rentré quand le soleil se lève le mercredi, puisque c'est le début du carême, mercredi des cendres, c'est jeune, donc ça, il faut être rentré. Je crois que ce qui est le plus important maintenant, c'est le fait de faire vivre une tradition. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je ne fais pas le Gilles pour chasser les mauvais esprits, pour que mes terres soient fécondes et que j'ai de bonnes récoltes. Alors, sans doute que dans le temps, c'était le but, comme dans beaucoup de civilisations, et les attributs du Gilles, d'ailleurs, sont intimement liés avec ses anciennes croyances. Le ramon qui balaye l'hiver, le sabot qui réveille la ville, mais qui en même temps chasse les mauvais esprits, la ceinture de sonnaille, la date évidemment, le passage pour le printemps, le pas boité qui représente aussi le passage entre deux saisons. Mais moi, quand je fais un peu le bilan de mes amis, ils sont presque tous dans la société. Ça devient finalement le centre de ma vie sociale. L'objectif du projet était d'essayer d'établir un modèle de représentation qui ne soit pas exclusivement descriptif, mais également inclusif, afin d'éviter toute forme, je dirais, d'exotisme ou de réduction culturelle. La formule « Ceci n'est pas un rite » que l'on retrouve dans le logo du projet est bien sûr un clin d'œil au tableau de René Magritte, « La trahison de l'image ». Il vient nous rappeler qu'un montage vidéo d'un rite n'est qu'une représentation de celui-ci. Une image du rituel auquel on ne peut ni prendre part, ni être pris par. Le montage présente cette tradition musicale de la même façon, à savoir qu'il y a une formule de base, une structure, une architecture qui se veut être la même, rigoureusement,
Donc ce qui est important, c'est qu'il y a la présentation de la tradition par les protagonistes eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui parlent de cette tradition par le biais d'interviews que nous avons réalisées chaque fois sur place et qui va servir de fond sonore à l'ensemble du montage. Le fil rouge, c'est la parole des personnes qui sont adhérents aux associations rituelles qui président ces manifestations. On regarde avec le regard des personnes qui pratiquent ces musiques. Des deux côtés, en tout cas, c'est un patrimoine culturel que les populations essaient de perpétuer, de transmettre donc à la génération future. Il y a énormément de parallèles en termes de structure d'associations rituelles, de rites de passage. Ce sont des adhésions de contemporains qui vivent aujourd'hui et qui décident d'entrer dans cette association ou dans cette société et de la faire, de la mettre au centre de sa vie. C'est un parallèle de modernité, de contemporains, citadins, urbain de l'année 2020. Dans les deux cas, on voit qu'il y a un souci de la transmission aussi de ces savoirs et savoir-faire. Les fonctions ne sont pas les mêmes, bien évidemment, mais le fait d'appartenir à une confrérie est vraiment la chose qui lie les deux films. Et bien évidemment, le fait que la musique soit indissociable au contexte de présentation et de performance de ses confréries. Je suis plus frappée par les ressemblances que les divergences. Les divergences, elles sont pour moi évidentes parce qu'on est dans deux continents différents, on est dans deux systèmes de pensée différents et on se rend compte que malgré tout ça, il y a beaucoup plus de points convergents que ce que l'on pourrait imaginer. Qu'on est en présence de deux traditions qui obéissent aux mêmes règles, c'est-à-dire une origine bien déterminée, une raison sociale ou personnelle de la pratiquer, le respect des règles et du secret, le sentiment d'appartenir à une même famille. Toujours pour les convergences, nous dirons dans le fond que nous sommes en présence de deux sociétés qui font appel à une initiation pour y adhérer et qui se transmettent de génération en génération où chacun est animé par le sentiment d'appartenir à une même famille. Réduire à 12 ou 13 minutes une cérémonie de plusieurs jours est un exercice un peu difficile. Je pense que les montages vidéo révèlent les points les plus importants qui permettent de comprendre cette tradition musicale de façon générale dans leur ensemble. Alors encore une fois, sur la place de la musique, c'est pas ce qui a été mis en avant dans le film, mais c'est à sa juste place parce que d'un autre côté, c'est pas un élément plus important que le reste. C'est un élément indispensable comme le reste, mais pas plus important que le reste. Ce que nous avons vu, c'est pas des choses qu'on peut prendre et aller déposer dans un musée comme les objets de musée. C'est des choses qui se vivent, ça se vit pendant un instant donné et c'est fini. We need to think about the role of the editor and not to think the editor as an objective sort of individual or as editing as an objective process. So when you edit, you always make choices. And of course, there's some choices in choosing the topic and choosing the questions and choosing the images that you're going to capture. So everyone has a role in guiding the narrative, but eventually the editor is the one that writes the final story. You know, and I think that comes with a lot of responsibility. You know, what do you want to choose? What do you want to take out? Especially when you make smaller films. Aussi bien de la part du discours des membres de la confrérie que du discours qui a été adopté pour commenter le film, je trouve que ça correspond très très bien à la représentation que les gens qui pratiquent les lombos ont de leur rituel et de ce que les Gabonais en général, qui ne sont pas membres de la confrérie, ont. Au Gabon, il y a eu Jean-Paul et sa famille ainsi que tous les autres membres donc, de la communauté qui pratiquent les lombos, qui ont bien pris soin de nous expliquer eux-mêmes ce qu'ils entendent par le culte et lombo.
si on entend par de manière inclusive, c'est-à-dire que n'excluant rien ni personne et visant toutes les sensibilités, non, c'est impossible selon moi. Il y avait une volonté de l'atteindre, mais est-ce que ça a été atteint? Non, c'est impossible, surtout en 10 minutes. The difference maybe to a certain extent is when it comes to language, that people in Gabon had to express themselves in French and talking about a culture that was originally designed and birthed in another language. So you naturally assume that there's some things that people cannot express because they don't have the words for it. Whereas in the case of Binge, people are able to talk in their own language, which maybe makes it slightly more accurate. Wat voor mij persoonlijk vanuit mijn positie als muzikoloog in het MIM zeer verrijkend was, was natuurlijk hoe een dorp, een suburb in Libreville omgaat met haar tradities. Het was interessant om te zien dat er daar ook een commercieel aspect aan zit. Ze doen hun rieten op onze vraag, maar eigenlijk doen wij ook onze rites op hun vraag. Bon, je pense qu'il faut toujours beaucoup de temps ou bien beaucoup de visites. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans une semaine. Et on s'est dit, ah, je comprends déjà une tradition. Et je pense que d'autre part, il faut seulement l'observer sans poser la question. Je pense à des limites techniques, purement techniques. Donc, sans doute un manque de connaissances audiovisuelles de la part de certains participants et aussi de connaissances et tout simplement d'accès aux outils de montage. Sans doute aussi des limites qui sont davantage d'ordre sociologique. Je pense que la volonté de ce projet, de cette rencontre, était justement de croiser les regards et c'est en partie réussi. Et malgré tout, on reste un peu dans cette réduction culturelle, si je puis dire. Une autre limite est certainement une certaine asymétrie dans le montage de projets de recherche internationaux, puisque les bailleurs de fonds sont en général en Occident, ce qui était le cas ici, et donc les porteurs de projets sont souvent des Occidentaux, ce qui crée un certain déséquilibre. I guess what I thought the most interesting in all of this and quite fascinating was how the Elombo managed to keep something 100% secret, yet at the same time, they managed to do something to be presented for the rest of the world. And today I think it's really important, especially for us as we deal with a lot of like traditional music, that some aspects do not have to be shown, but certain aspects can and should be shown. Le public gabonais va aller à la découverte d'une nouvelle tradition qui n'est pas africaine et qui obéit à peu près aux mêmes règles que les sociétés traditionnelles africaines, contrairement à ce qui se dit le plus souvent que les Occidentaux n'ont plus de culture, ils vivent dans un monde développé et autres, mais savoir qu'il existe encore des sociétés traditionnelles et qu'il existe encore des pratiques musicales serait un atout pour notre jeune public. Ik vind het netwerk en het bestendigen van het netwerk zeer, zeer belangrijk. Ik vind voor het werk dat we doen in het MIM, namelijk de informatie over de Afrikaanse muziektradities in ons museum zo duidelijk en zo correct mogelijk weergeven, dat daarvoor het contact met de mensen ter plekke super, super belangrijk is. En dat is iets dat dit project enorm zal helpen, alleen al omdat de contacten met de mensen ter plekke veel gemakkelijker geworden zijn. En omdat we ook voelen dat, zeker ook in het kader van de hele restitutieproblematiek, dat onze bijdrage in de correcte representatie van hun tradities
super belangrijk is, omdat hun interesses elders liggen, namelijk misschien, maar dan, ik mag ook weer niet de vraag invullen voor hen, maar dat ze misschien meer bezig zijn met audiovisueel materiaal, met dingen die meer in de lijn liggen van oraliteit en minder met onze, ik weet het niet, obsessie voor het meer materieel-culturele. Maar... La mise en parallèle des deux montages a permis de dresser des similitudes entre les différentes pratiques. Nous avons cherché à illustrer visuellement le discours des tenants de la tradition avec les images que nous avons pu collecter. Le film ne propose finalement pas ce qui serait un mode d'emploi pour la mise en scène d'une représentation inclusive, mais offre des pistes de réflexion qui mettent en avant l'importance du travail collaboratif pour une représentation qui se veut complète et correcte des pratiques musicales de tradition orale. Et ceci ne peut se faire qu'à travers le regard des participants. Gatene ko tonda mbe jabongwa siki kongo na mikonyi na minanga babemba na konji bana makaka ojwo ngo kuzima bendo nokoya matene ko mayila ko jabonga mbuka mbuka njoko matene kwani ba mikami na ko tome numba zima bendo nokoya mayila Emenwa zingo zateni ko maja ko zako ngamba ko mbuka njokwe mateni gaza nzinumbwe nzere pepo waromongia mizima bendo kwa